Mesdames et messieurs, la 17e édition du FGI a été officiellement lancée par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République fédérale d'Éthiopie. Nous allons à présent passer à la suite de notre programme et je vais donner la parole aux panélistes que vous voyez sur le podium. Merci beaucoup et je vous souhaite un agréable séjour. Merci infiniment. D'emblée, j'aimerais inviter tous les intervenants de la session d'ouverture à venir se joindre à nous. Je pense qu'il y en a deux qui manquent à l'appel. J'aimerais remercier l'hôte. Je pense que c'est l'une des meilleures cérémonies d'ouverture. Nous avons commencé à temps, nous avons fini à temps. Ça c'est jamais fait, c'est du jamais vu. D'ordinaire, nous accusons des retards, donc c'est formidable. Nous nous apprêtons à lancer la session d'ouverture. Nous aurons des discours de certains parties prenantes. Si vous pourriez prendre place. Bien. Je pense que nous pouvons commencer. Si vous pouviez prendre place, je vous prie. Bien, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus à cette session d'ouverture du 17e FGI 2022. Sans plus attendre, j'invite notre première intervenante, Madame Dorine Butler-Martin, la secrétaire élue du 17e FGI. Je pense que c'est beaucoup mieux. Excellences, mesdames et messieurs, je me réjouis d'être de nouveau en Afrique, le continent où le FGI a été créé, où le potentiel de la transformation numérique pour la croissance et la prospérité trouve sa meilleure expression. Au vu des différents défis que nous rencontrons aujourd'hui, j'ai repensé au discours de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, lors du premier sommet de la société d'information. Il nous a tous rappelé que nous avons un rôle actif à jouer pour la transformation numérique parce que celle-ci va redéfinir notre monde. La technologie produit ou a généré cette ère d'information à présent et nous revient à tous, de créer, de bâtir cette société d'information. Cette année, le FGI intervient à un moment spécial pour les gouvernements. Les gouvernements ch cherchent des voies de se connecter avec leur population. Pour les experts, il s'agit de pallier les
perturbations. Et pour le système des Nations Unies, cela vise à renforcer les accords mondiaux et renforcer l'entente sur l'importance du FGI pour nous tous. Ceci intervient avec le pacte mondial pour un avenir inclusif et durable pour tous. C'est une vision audacieuse, audacieuse dans un monde où un tiers de l'humanité ne s'est jamais connecté à Internet. C'est une vision audacieuse dans un monde où les risques liés à la technologie numérique ne cessent d'accroître et nécessitent une collaboration mondiale pour des solutions. Oui, c'est une vision ambitieuse, mais c'est une vision que nous devons absolument épouser. Nous devons l'épouser en tant que communauté mondiale parce que si nous ne le faisons pas, nous serions en train d'écraser ou de passer à côté la plus grande opportunité que l'humanité a de créer un monde plus prospère et inclusif pour tous. La technologie numérique est un facteur favorisant, unique. Nous pouvons ainsi accroître le pouvoir de transformation de l'éducation et ce pour tous. Nous pouvons autonomiser les personnes désavantagées sur le plan économique et social. Nous pouvons veiller à ce que tout le monde partout ait accès aux soins de santé. Nous pouvons utiliser les connaissances humaines pour la science, l'économie, l'agriculture, etc. Mesdames et messieurs, il est clair que nous ne parviendrons pas à réaliser les 17 ODD sans le pouvoir d'éthique. Ainsi, alors que nous nous rapprochons à la cible ou la date butoir de 2030, permettez-moi de vous poser la question, comment est-ce que les générations à venir nous jugeront si nous ne parvenons pas à utiliser ces outils qui sont pourtant disponibles et ce, pour créer un avenir meilleur pour tous? L'année dernière, à l'occasion de cette conférence, je vous ai encouragé à embrasser le thème Internet uni et de construire un avenir commun en tant qu'une communauté. Dans la même lancée, ce forum nous invite à nous unir. Voilà quoi aspire le pacte mondial sur Internet, avec sa mission, les Nations Unies constituent la plateforme idéale pour nous rassembler et partager une vision commune pour notre avenir numérique. En tant que l'agence pour les technologies Internet et ses membres issus du secteur privé, des gouvernements, etc., nous pouvons mobiliser la société numérique partout dans le monde et permettre de propulser notre voix partout dans le monde. Une culture collaborative et les relations que nous avons établies constituent des ressources que la famille des Nations Unies peut exploiter pour offrir une connectivité durable, pertinente, abordable, et ainsi réaliser un pacte mondial pour une vision de prospérité commune. Mesdames et messieurs, combien d'entre vous étaient présents au WSIS, à la phase qui s'est tenue en Tunis? Y a-t-il d'autres? Mon ami de Turquie également. Et je sais qu'il y a plein d'autres qui sont connectés en ligne et qui étaient également présents à cette occasion. C'est à cette occasion-là, du moins de mémoire, que l'optimisme qui a été manifesté, la volonté, la bonne volonté internationale a marqué ce sommet. Et 20 ans plus tard, nous nous retrouvons à un carrefour autre. Les réseaux et les services que nous établissons sont en train de redéfinir notre monde. Nous avons la responsabilité envers la génération à venir d'orienter cette évolution et ve de veiller à ce que ces résultats soient bénéfiques et non destructifs. Donc, les gens sont autonomisés par le potentiel des technologies et
ne devrait pas avoir peur de son côté obscur. Permettez-moi de clôturer en revenant une fois encore sur les propos de Kofi Annan. La technologie définit l'avenir, certes, mais ce sont les gens qui définissent l'avenir de la technologie et décident de son utilisation. Nous, la communauté internationale, avons là l'occasion et même la responsabilité de travailler ensemble pour un avenir numérique dans lequel l'accès à Internet rapide, à coût abordable, soit disponible pour tous. Donc, j'anticipe favorablement ce parcours en votre compagnie. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'aimerais désormais inviter M. Tofik Djelassi, sous-directeur pour la commission pour la communication et l'information au sein de l'UNESCO. À vous. Excellences, honorables ministres, éminents invités, mesdames et messieurs, je vais commencer par répondre aux questions de Dorine. En effet, j'ai assisté au sommet de 2005, le sommet de sur la société de l'information, le SMSI. La Tunisie avait abrité cette année-là le sommet SMSI qui a donné naissance à ce forum FGI. Je viens de l'Afrique du Nord et c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver en Afrique subsaharienne en Éthiopie, en tant que représentant du directeur général de l'UNESCO dans le cadre de ce grand forum. L'UNESCO a été plus qu'impliquée dans le forum FGI depuis son inception. L'UNESCO a même accueilli l'édition de 2018 au siège de l'UNESCO à Paris. Nous continuons nos efforts et nos travaux avec les parties prenantes du forum FGI, entre autres à travers nos indicateurs d'universalité de l'Internet, ainsi que le cadre de l'UNESCO. Pour ceux qui ne connaîtraient pas donc ce cadre, voici donc les quatre piliers. Le R de ce cadre, Rome, R pour les droits humains, O pour un Internet ouvert, accessible et multipartite. Rome, on reconnaît que les technologies numériques sont donc le pilier de la transformation numérique, un sujet qu'a bien souligné le Premier ministre de l'Éthiopie tout à l'heure lors de son discours d'ouverture. Une transformation numérique se doit d'être ancrée dans les droits humains ainsi que d'autres valeurs humanitaires. Un message accentué par Dorine lors de son discours liminaire. Il y a trois questions dans ce cheminement de transformation numérique qui devraient trouver réponse auprès de nous tous. Pourquoi une transformation? Qu'est-ce qu'on transforme? Et comment est-ce qu'on réussit cette transformation? Il me semble que l'argument en faveur du changement, d'une transformation, nous est désormais très évidente. Les autres questions trouveraient des réponses plus compliquées. Quelles sont donc les limites de cette transformation et le comment? Comment déployer? Comment mettre en œuvre cette ambition? Notre approche, donc Rome, qui est Romex, est une approche qui est transversale, qui comprend des problématiques telles que la question du genre, les changements climatiques, les multiples, au nombre de 303, des indicateurs que nous avons élaborés pour établir et décider d'une préparation à un monde numérique. Ce cadre de l'UNESCO a été largement utilisé, un autre grand plaisir
17 sur les 44 pays ayant donc utilisé ce cadre sont de l'Afrique. L'Éthiopie vient de publier la semaine dernière son rapport sur une évaluation numérique nationale à travers donc la grille de lecture des indicateurs de l'UNESCO. Nous vivons dans une ère où les plateformes numériques dominent. On n'est pas sans savoir que plusieurs pays connaissent des citoyens qui passent plusieurs heures par jour connectés à des plateformes numériques. Certains pays connaissent une forte population, autour de 80%, qui trouvent de façon première leurs renseignements sur Internet. Ceci n'est pas sans danger. La désinformation, les discours de haine ou encore des théories complotistes, des violations de droits humains, des menaces, la cybercriminalité, j'en passe. L'Internet que l'on désire tous est un Internet sûr et non pas un Internet qui est un endroit de risque pour des attentes et des menaces publiques. On aspire à un Internet pour une information publique en tant que bien public. Je suis ravie de vous annoncer que l'UNESCO organise février prochain une conférence mondiale sur la réglementation des plateformes numériques afin de garantir que l'information reste un bien public tout en sauvegardant la liberté d'expression en ligne. Quand je parle de réglementation de plateformes numériques, je n'entends pas du tout la censure. La question à se poser est de comment réglementer les plateformes de telle façon qu'on puisse garantir la nature de bien public de l'information sans faire entrave à la liberté de l'expression. Nous avons préparé donc cette conférence, on continue à la préparer, avec donc les 193 pays membres de l'UNESCO, la société civile, les universitaires, les institutions de recherche, ainsi que d'autres multiples, plusieurs parties prenantes que sont donc les opérateurs technologiques, sans lesquels notre déclaration risque d'être lettre morte. C'est bien ces sociétés technologiques ainsi que les opérateurs de plateformes numériques qui donc, doivent se conformer donc, aux principes mondiaux réglementant ce domaine. Bien évidemment, on ne souhaite pas remplacer les organes de régulation nationaux, mais nous contribuons donc à la recherche et à la réflexion de régulation telle qu'acceptée par tous les organes nationaux en la matière. J'aimerais conclure en disant que l'UNESCO souhaiterait travailler de façon tout à fait étroite avec plusieurs parties prenantes, qu'il s'agisse de la société civile, des universitaires, des représentants du secteur privé, encore des institutions de recherche. Nous serons ravis de continuer les échanges et les dialogues concernant donc l'examen 20 ans plus tard du sommet SMSI. On souhaite contribuer donc au pacte numérique mondial, mais aussi au sommet des Nations Unies, le sommet du futur prévu en septembre 2024. J'aimerais citer pour conclure le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Monsieur Antonio Guterres. Il y a donc deux défis principaux qui caractérisent le 21e siècle, les changements climatiques et la transformation numérique. On espère pouvoir contribuer aux solutions durables de surcroît pour ces défis importants. Merci de votre écoute aimable. Merci, Monsieur le sous-directeur général. Un représentant des jeunes maintenant, Madame Lili Edina Duptea, qui est invitée à prendre la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs les invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Lili Edina Duptea et je suis coordonnatrice du programme des jeunes du gouvernement du Ghana. Aujourd'hui, je représente les jeunes, un groupe qui, de loin, est le plus grand utilisateur d'Internet. Et je vois qu'il y a quelques jeunes dans la salle.
Et si vous êtes, faites partie de mon groupe, levez la main. Je vois que nous sommes quelques-uns ici. Alors, je voudrais féliciter le secrétariat dirigé par Anya Nyengo et le personnel qui comprend beaucoup de jeunes et différents groupes à travers le monde pour l'organisation de ce forum de cette année. On a organisé des sessions portant sur différents sujets, aussi bien en Afrique, dans la région de l'Asie-Pacifique, l'Asie et en Amérique latine. Donc, c'est un forum qui est global. On va parler aujourd'hui des opportunités pour la transformation numérique et les mesures qu'il faut prendre pour atteindre, pour relever les défis qui se posent. Vu la participation dynamique des jeunes, ça a beaucoup évolué et beaucoup de jeunes aujourd'hui participent à cette discussion, que ce soit en zone rurale ou dans les communautés rurales. Certains de nos jeunes aujourd'hui font face à la pauvreté, le chômage, ainsi que d'autres aspects de la marginalisation économique et sociale. Et on voit que cette situation s'aggrave. Aujourd'hui, il existe beaucoup de défis qui empêchent les jeunes de profiter de la transformation numérique. Par exemple, le coût de la connectivité, le fait qu'on ferme souvent l'Internet et également le manque de culture d'Internet. Alors, il va falloir réfléchir à tout cela pour que les jeunes puissent profiter de situations et il faut voir comment les jeunes peuvent apporter leurs compétences à cet effort et créer un espace pour que les jeunes puissent entamer un dialogue avec les questions qui intéressent les jeunes et où on peut répondre à nos besoins particuliers. Encore une fois, vu la possibilité qu'il y a des opportunités de financement décentralisé, eh bien, ça permettrait, je crois, aux jeunes de participer à la gouvernance d'Internet. Nous avons préparé un rapport là-dessus qu'on a partagé avec d'autres et qui pourrait être mis à la disposition de tous. Et nous espérons que tout le monde y aura accès. L'avenir d'un Internet robuste, sécurisé, est une question essentielle pour les jeunes qui sont aux avant-lignes du développement d'Internet. Et nous allons tout faire pour qu'il y ait une meilleure compréhension entre les différentes parties prenantes et permettre ainsi aux jeunes de participer encore plus au développement d'Internet. Merci. Merci Lily. Orateur suivant, qui n'a pas besoin d'être présenté. Il s'agit de Vince Cerf, qui est le président du leadership du Forum sur la gouvernance d'Internet. Monsieur Vince Cerf. Merci. Vous savez que lorsqu'on applaudit quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole, eh bien, ça vous donne une raison de vous installer parce que c'est magnifique. Merci à Lily d'avoir fait ces remarques, ça m'a rajeuni. Excellence, vous qui êtes dans la salle, vous qui êtes en ligne, je voudrais aussi à mon tour exprimer ma reconnaissance à notre, la République fédérale démocratique d'Éthiopie, exprimer ma reconnaissance au secrétariat du Forum, ainsi que le groupe consultatif qui ont si bien organisé cette 17e version du forum sur la gouvernance d'Internet. Le panel de leaders rend hommage au secrétariat des Nations Unies et son secrétaire général, M. Guterres, qui ont participé à l'organisation de ce forum et tous les participants nationaux et régionaux. Notre objectif est de faire connaître quels sont les résultats du forum à d'autres organismes pour ainsi et qui sont liés à Internet et aux écosystèmes créés à cause de cela. Le défi qui nous attend, c'est de rendre concrètes les avantages que présente Internet dans le cadre de la productivité
et aussi essayer de maîtriser les aspects négatifs qui peuvent exister. Le monde entier a les yeux tournés vers le Forum sur la gouvernance d'Internet, son panel de leaders, ainsi qu'aux participants pour mieux éclairer les avantages que présente l'Internet pour tous les citoyens des pays du monde. Nous savons tous que parmi les qualités qu'on peut mentionner ici, c'est la redevabilité qui doit exister dans le système Internet. Notre travail est essayer d'énoncer quels sont les éléments qui doivent être introduits dans le système, la sécurité, l'innocuité, assurer le caractère privé des échanges, assurer l'accessibilité dans tous les sens du terme, avoir un coût abordable, assurer la résilience, assurer la durabilité des opérations et aussi l'adaptabilité. Je suis sûr qu'on pourrait en ajouter d'autres. Ces termes vont revenir souvent au cours de cette conférence. On les a déjà prononcés plusieurs fois cet après-midi. Depuis le premier sommet mondial sur la société de l'information, nous avons ensemble analysé les problèmes et les avantages que peuvent présenter Internet et nous l'avons décrit cela de manière détaillée. Je crois que le moment est venu maintenant de prendre des mesures concrètes pour créer un système que nous souhaitons tous. Et pour cela, et pour appuyer ceux qui travaillent sur la coopération digitale dans le cadre de ce pacte mondial, comme l'expliquait le secrétaire général, le panel de leadership est là pour vous donner des exemples d'actions qui permettraient d'améliorer la situation dans laquelle se trouve Internet aujourd'hui et aussi l'environnement numérique. J'espère que en 2045, on jettera un regard sur ce que nous avons fait et on reconnaîtra l'importance du travail que nous avons fait cette année et pour les années à venir. Mettons-nous au travail, mobilisons-nous. Merci. Merci Vincent. Orateur suivant. Secrétaire général adjoint, qui est l'envoyé du secrétaire général sur la technologie. On nous a demandé de nous mobiliser, de nous mettre au travail, et bien c'est ce que j'essaie de faire ici. Excellences, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que d'être des vôtres ici à Addis Abeba, dans cette très belle ville, et c'est un plaisir aussi de voir que le Forum sur la gouvernance d'Internet revient chez soi. Ça a commencé à Tunis, et on nous a présenté le parcours qui a été fait depuis, et je me réjouis de voir que le Forum revient en Afrique. Je me félicite aussi de voir la croissance qu'a connue cette communauté. Il y a de plus en plus de forums régionaux, nationaux, et donc c'est quelque chose qui est en train de devenir une communauté qui a été créée de la base, au sommet, et aussi je vois que c'est une communauté qui a plusieurs parties prenantes qui s'expriment au cours de cette session et dans d'autres débats, dans les délibérations aussi qui se passent dans le MAG, le groupe consultatif parties prenantes, et aussi le panel de leaders du forum qui a deux coprésidents. Beaucoup de choses ont été réalisées en 17 ans. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Lorsque le secrétaire général a parlé de coopération digitale en 2018, l'un des domaines clés sur lesquels on a mis l'accent, c'est comment on peut assurer la gouvernance des technologies numériques, pas seulement l'Internet, mais également tout ce qui est lié à cela de manière générale. Depuis, on a beaucoup parlé de la transformation numérique, c'est quelque chose qui a été reconnu au plan international. Aujourd'hui, toute institution des Nations Unies a
comme tâche, comme priorité la transformation numérique. C'est une bonne chose. Cela étant, je crois qu'il faut travailler encore plus afin d'améliorer la manière dont on maîtrise ces technologies. Le forum de gouvernance de l'Internet lui-même doit améliorer sa prestation et c'est la raison pour laquelle que dans le panel du secrétaire général sur la coopération digitale, on a parlé du forum plus et son approche et les leaders qui se sont réunis pour la première fois il y a à peine 24 heures s'est attribué une tâche. Vous avez tous des tâches qui vous ont été confiées pour faire en sorte que cette communauté vibrante qui a tant de réalisations en son actif, soit mieux adaptée à ce qui se passera dans les années à venir. Les défis sont nombreux. Les orateurs qui se sont exprimés avant moi ont décrit ces défis. Et en Afrique, tout particulièrement, il y a trois priorités essentielles. La première, c'est assurer la connexion de ceux qui n'ont pas aujourd'hui accès à la connectivité. Il faut créer donc l'infrastructure physique pour assurer la connectivité. C'est un travail dur que de réduire le coût de la connectivité des données et aussi assurer l'alimentation en énergie électrique, créer aussi du contenu dans les langues locales, avoir des jeux de données en langue locale. Cela ne suffira pas d'ailleurs. Il sera nécessaire de mettre l'accent sur une autre priorité, et qui sont les garde-fous en quelque sorte, qui sont nécessaires pour qu'il y ait une participation inclusive dans l'économie digitale. Aujourd'hui, les biens numériques publics font partie de notre vocabulaire de tous les jours, mais il y a très peu de pays en fait qui ont compris la puissance de cette infrastructure. Et je crois qu'il faut faire passer ce message dans beaucoup d'autres pays. Comment essayer de réduire les obstacles qui empêchent la participation à l'économie digitale, qu'il s'agisse de start-up ou qu'il s'agisse d'entreprises du secteur informel qui doivent effectuer des paiements en ligne. Il y a beaucoup de domaines d'activité économique qui peuvent être à faciliter en utilisant cette infrastructure publique, en mettant en place ces différents éléments que je viens de mentionner. Le troisième domaine prioritaire pour l'Afrique et sans doute pour tous les pays du monde, c'est l'écosystème des données. Je n'ai pas voulu parler de l'intelligence artificielle, c'est devenu un terme qui revient très souvent, mais si vous n'avez pas des fondations de données, il n'y aura pas d'intelligence artificielle. Et donc, la science, les ressources humaines qui s'occupent des données, notamment pour ce qui est de la croisée de chemins qui se trivent entre le digital et le reste, la santé, l'éducation, la transition verte, une transition importante, la transition énergétique, comment s'attaquer à la pénurie énergétique en Afrique, comment créer des réseaux électriques, etc. Dans tous ces domaines, il faut créer des capacités en termes de ressources humaines, mais aussi il faut créer des jeux de données pour l'avenir. Ce n'est pas une question qui intéresse seulement les pays riches, ce n'est pas seulement un pays qui sont très avancés au plan technologique, c'est un défi qui se pose à tous. Il faut faire en sorte que l'Afrique n'accuse pas de retard pour toutes ces questions que je viens d'évoquer. Donc il faut se lancer dans ces trois courses en même temps. Et je suis sûr que vous allez être à la hauteur de ces tâches et la communauté actuelle, ce forum est là pour vous appuyer avec un échange de connaissances à travers l'élaboration de directives pour ce qui est des politiques, en développant les capacités autour de ces trois thèmes prioritaires. Pour conclure, je voudrais consacrer quelques instants pour réfléchir à ce compact mondial numérique. Le secrétaire général qui s'est adressé à cette conférence a bien souligné pourquoi il faut réfléchir à la mise en place d'un avenir digital ouvert, sécurisé. Il y a beaucoup d'abus aujourd'hui encore. Il y a aussi des abus que l'on constate aussi en ligne. Je crois que mon collègue de l'UNESCO a mentionné l'ensemble des défis que nous connaissons dans ce domaine, mais il y a également le fait que l'on peut aussi rater des opportunités.
les ODD et le programme à l'horizon de 2030 a connu des retards à cause de la pandémie du Covid, les effets aussi d'autres chocs, chocs géopolitiques, économiques, etc. Et nous ne pourrons pas rattraper le temps perdu si on ne profite pas de ces opportunités. La question est de savoir comment le faire. Alors, le Compact mondial digital est une opportunité justement pour profiter de cette opportunité qui existe, pour s'attaquer aux risques, aux abus qui sont liés à ces technologies. Mais lorsque l'on voudra passer à la prochaine génération, les réseaux intelligents, l'Internet des objets et bien d'autres technologies qui aujourd'hui s'appuient sur le numérique, mais qui aujourd'hui sont sorties de cela et qui s'appuient sur notre cadre de politique et de gouvernance. Ce processus qui nous mènera à ce pacte en 2024 sera une action avec plusieurs parties prenantes. Il va falloir négocier de ce document, mais comme vous le savez, vous, toutes les parties prenantes provenant des milieux universitaires, du secteur privé, des entreprises technologiques, de la société civile, tous vous avez un rôle à jouer, non seulement pour accélérer les choses, apporter plus d'urgence, apporter des faits à ces discussions sur les politiques, mais faire en sorte aussi qu'une fois le pacte adopté, eh bien, l'on puisse l'exécuter et que cela s'adouille par des directives concrètes, non seulement en direction des gouvernements, mais également de la société civile, des milieux universitaires et des entreprises technologiques. C'est une tâche énorme et nous avons fait un bon départ. Ce forum a 5 points inscrits à l'ordre du jour et ces 5 points sont intimement liés aux thèmes qui sont abordés par le pacte et qui seront traités dans ce document. Donc le résultat de vos délibérations sera une contribution précieuse pour le sommet qui se tiendra en 2024. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos délibérations. Merci. Merci infiniment. Nous anticipons justement de pouvoir communiquer les délibérations de ce forum pour le futur pacte. Nous accueillons désormais M. Yoran Marby d'ICANN. Bonjour. Le souci, quand on est le dernier intervenant, après autant d'orateurs. Alors, je me prépare. C'est une petite routine d'enlever la veste en préparant mon discours. Quand je me retrouvais lors d'une réunion à Genève, il y avait une époque où l'on considérait l'Internet comme étant une force du mal, qu'on associait Internet à tous les maux, ou encore aux informations erronées. Alors, permettez-moi de vous peindre un tableau plus positif de l'Internet, et sachez que j'émane d'une communauté plutôt technique, donc merci de votre indulgence. Bienvenue à tous, je suis ravie d'être ici, ce forum est donc l'un de mes endroits préférés. ICANN aura soutenu ce forum depuis ses tout débuts. Il est question de rassembler la société civile et d'autres représentants de la société pour échanger. C'est comme si c'était une grande école, surtout en Afrique, où il y a encore beaucoup plus donc à apprendre. N'oublions pas, la puissance de l'Internet, une ressource à la fois locale et mondiale, en un endroit. L'Internet nous rapproche. L'Internet n'appartient à personne et pourtant contrôlé par tous. L'Internet est un réseau des réseaux, en quelque sorte, et va donc s'appuyer sur des protocoles et normes communes nous permettant d'interagir. Il y a donc
une série de règles techniques qui se traduisent en interopérabilité pour tous, de partout, du point de vue technique. À chaque fois que vous vous rendez sur Internet, vous allez forcément utiliser donc, ou avoir accès à une information issue des services ICANN que l'on fournit gratuitement pour vous. Comment définir l'Internet? L'Internet est utilisé, et d'ailleurs nous utilisons une pléthore donc, de mots pour définir. Je ferai simple. Que faites-vous une fois en ligne? Vous allez utiliser donc un protocole DNS ainsi que l'adresse IP, sans lesquelles vous n'êtes plus connecté à Internet. Très souvent, quand vous pensez être sur Internet, il se trouve que vous avez déjà accédé à l'ordinateur de quelqu'un d'autre. L'Internet, aujourd'hui, doit être basé sur la confiance. Une confiance qui vient donc de toute une gouvernance sur un modèle multipartite. Des milliards de personnes ont décidé aujourd'hui d'utiliser cet ADN technique. Tant que tout le monde utilise les mêmes protocoles techniques, il y aura donc un Internet unique mondial sans aucune frontière géographique. Il n'y a aucun groupe unique, gouvernement ou société qui contrôle l'Internet. Nous avons déjà pu témoigner plusieurs tentatives de la part de gouvernements ou de sociétés, à bon escient ou pas, étant de changer cette situation. Avec l'aide de tous, on a pu maintenir donc, ce modèle-ci d'Internet. ICANN est au cœur de l'écosystème de l'Internet. Certains de mes amis ici sont présents, qui font partie de cette communauté technique que je salue. D'ailleurs, nous travaillons étroitement ensemble. Je les ressens, et cela sur une quarantaine d'années. Vous n'entendrez jamais dire que l'Internet, tout d'un coup, n'est plus accessible. Vous pourrez avoir quelques difficultés avec votre Wi-Fi ou une coupure de courant, mais jamais l'Internet. L'Internet n'est jamais en panne, parce qu'il y a un groupe de personnes très habiles qui garantissent le fonctionnement sans arrêt de l'Internet. Donc, ce modèle multipartite qui gouverne l'Internet jusque-là, et voilà pourquoi je suis ravie d'être ici parmi nous pour justement interpeller les décideurs politiques. Nous n'avons pas terminé notre tâche. Si vous êtes sur Internet, c'est que vous parlez anglais, étant donné qu'une grande majorité du contenu, au-delà de 80%, est en anglais sur Internet. L'un des changements transformateurs à l'avenir serait de pouvoir adapter l'Internet à la diversité du monde, c'est-à-dire en termes linguistiques. On invite les gouvernements pour leur soutien dans cet effort-ci. C'est un aspect qui nous tient beaucoup à cœur. Nous sommes fiers et j'espère que vous allez donc être des nôtres quand on va lancer une coalition numérique pour l'Afrique où l'on va approfondir cette question, surtout pour l'Afrique, notamment appuyée au-delà de 3000 langues sur le continent africain. J'aimerais également remercier Doreen dans son rôle précédent en tant que directrice de département. Avec elle, il y a quelques mois, nous avons annoncé conjointement que nous allions donc mettre sur pied le premier groupe IMRS. C'est quelque chose qu'on a lancé officiellement il y a 2 semaines. C'était un investissement qui cherchait donc à résoudre la problématique suivante en matière donc de mieux représenter l'Afrique dans le trafic Internet, c'est-à-dire que les usagers d'Internet puissent être plus sûrs et plus localisés sur le continent africain. Merci beaucoup pour le temps. Merci de votre écoute. Merci infiniment à vous. Dernier intervenant, et pas des moindres, Madame Jamila Benjalimi, Jamila Venturini,
directrice, co-directrice exécutive de Digitalis. Oui, Excellence, chers invités, chers collègues, participants à ce forum FGI, bonjour, je m'appelle Jamila Venturini, je vis et je suis du Brésil, je représente de Digitalis Amérique Latine et au nom de l'association, pour beaucoup d'entre nous, il s'agit de la toute première édition du forum FGI à laquelle nous assistons après que la pandémie COVID-19 nous ait frappés tous de façon différente. Il est question donc d'échanger sur la gouvernance de l'Internet en faveur de la garantie que l'Internet reste un bien public commun. La tenue de ce forum tombe à un moment où il y a donc de crises multiples mondialement, des atteintes à la démocratie qui se multiplient, les changements climatiques et plusieurs contextes. En extrapolant donc à la sphère numérique, ces crises se traduisent par des récits tout à fait binaires et parfois extrêmes. Il y a également donc une montée de colonialisme numérique et d'autoritarisme sur Internet. Que cela signifie-t-il pour la gouvernance de l'Internet, à mon avis, entre autres? Ces crises récentes ont été créées ou exacerbées par des inégalités structurelles et des disparités en matière de pouvoir qu'on devrait donc aborder lors de nos échanges. Un potentiel pour exacerber ces inégalités appartient donc à l'Internet et surtout à l'ère de la pandémie COVID-19. Une petite partie de la population mondiale a pu se retrouver dans le luxe de maintenir ses activités au quotidien, alors qu'une grande majorité du monde se retrouvait donc limitée. Nous avons aujourd'hui plusieurs exemples, bons exemples. Pour que ces exemples puissent devenir la norme, et cela de façon pérenne, encore faut-il redéfinir les priorités et réimaginer les meilleures utilisations possibles de processus. La gouvernance de l'Internet devrait être homogénéisée en s'appuyant sur des actions plus proactives à travers des processus multipartites et en augmentant la participation de tous sur toutes les plateformes de façon urgente. Les organisations internationales devraient montrer l'exemple à travers des mesures proactives en propulsant et donnant une plateforme et une voix aux populations marginalisées. Il est question donc de revoir les normes du point de vue des organisations, des institutions et des organes, sans oublier les mécanismes de transparence, et mettre la pression sur les grands acteurs mondiaux en la matière. Le forum fait partie du noyau dur de la gouvernance de l'Internet et la coopération numérique. Nous comptons beaucoup sur le rôle de ce forum, une plateforme qui cherche à identifier des solutions viables pour renforcer la gouvernance démocratique. Un deuxième point que j'aimerais donc souligner pour accompagner ma première question, liée donc aux crises multiples qui s'articulent dans l'ère à laquelle on vit, l'interconnectivité et le fait d'enfin pouvoir connecter ceux qui ne l'étaient pas encore, l'autonomisation et le fait donc de renforcer les capacités des populations marginalisées qui ont été jusque-là privés de participer à la prise de décision concernant leur vie. À ce jour, un des défis qui perdure en Afrique et globalement dans l'hémisphère sud, il faudrait qu'il y ait des efforts pour contextualiser la connectivité afin que les communautés puissent profiter pleinement de l'Internet. L'écosystème des télécommunications devrait inclure des solutions locales, communautaires,
pour pouvoir fournir un contenu et une connectivité locale en faveur des solutions adaptées partout dans le monde. Et les organisations représentées ici devraient donc représenter les populations marginalisées, les femmes comme les groupes LGBT devraient également être conviés à toute discussion. Ces populations ont déjà joué un rôle très important dans l'identification de solutions. Il faudrait chercher donc à être de plus en plus inclusif et protéger le droit de ces populations marginalisées, le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression et surtout agir sur la violence basée sur le genre, notamment du point de vue donc des espaces où l'on prend des décisions. Et enfin, je ne pourrais me tenir devant vous sans faire l'écho des organisations civiles dans le rétablissement de l'Internet partout et la promotion d'un Internet gratuit, ouvert et sûr, comme faisant partie intégrante des droits fondamentaux. En fait, l'existence du forum FGI, ce qui a résulté donc d'une pression de la société, on continue à prier pour qu'il y ait donc un rôle supplémentaire pour ce forum dans l'encouragement des droits humains et des perspectives de justice environnementale à rajouter dans la sphère de coopération numérique et des conversations liées à la gouvernance de l'Internet. Merci. Merci, Madame. Nous arrivons au terme de cette cérémonie d'ouverture. Nous avons gagné un peu de temps. Nous allons nous séparer pour la pause déjeuner assez tôt. Je vous rappelle qu'il y a un bulletin quotidien avec des documents aussi qui sont disponibles sur Internet. Merci tous d'être venus.